Yo les potes, c'est NSQ, nouvelle vidéo sur Fall Guys, le nouveau jeu que j'ai acheté il y a 2-3 jours je crois. Parce que en fait le jeu, quand je regardais plein de vidéos ou de live de personnes qui y jouaient, j'aimais bien le jeu. Sauf que genre je trouvais les épreuves c'est trop redondant, je sais pas si vous comprenez ce mot, mais genre c'est tout le temps la même chose. Mais là j'ai décidé de l'acheter parce que il va bientôt y avoir la prochaine saison, donc c'est d'en regarder. Dans 37 jours, la nouvelle saison, donc dans un mois même pas. Et il faut que je fasse le pass de combat de cette saison, bah, avant la prochaine. Du coup, voilà. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu le jeu. Je vais vous montrer mon casier. Et puis, je vais vous parler des vidéos boutiques, si je les fais, etc. Du coup, c'est parti. Alors, premièrement, voilà la page d'accueil. En haut à droite, c'est les kudos. Donc, c'est la monnaie du jeu. J'en ai 41 000, je crois. Ouais. Et 3 couronnes. Donc, les couronnes, c'est quand vous faites un top 1, vous les débloquez, d'accord? Sinon les couronnes vous pouvez aussi vous débloquer dans le pass de combat, regardez là il y a une couronne. Mais c'est aussi quand vous faites top 1, d'ailleurs j'ai déjà fait un top 1 donc c'est sympa. Alors ceux qui jouent sur PC, le jeu est à 20 € et vous pouvez pas changer votre nom de joueur, en tout cas pas encore. Sur PS4 le jeu est gratuit pour PS Plus et je crois qu'il est payant si vous n'avez pas le PS Plus. Pareil le même prix. Et vous sur PS4 vous pouvez changer le nom d'ailleurs, vous pouvez jouer soit clavier souris soit manette. Du coup ensuite. Les tenues, je vais vous les montrer après, donc ça c'est mes skins. Le pass de combat, les gars, faut savoir qu'il est totalement gratuit. D'ailleurs, il s'appelle pas pass de combat, il s'appelle juste Fall Guys saison 1. Et puis la nouvelle saison, c'est vers début octobre. Hop, donc voilà le pass de combat. Je vais vous montrer vite fait. Hop, donc vous avez des petites. Des couleurs, vous avez des revêtements, on va dire, des couronnes, des pantalons. Encore pareil. Hop, là vous avez des skins pour le haut. Vous avez des pièces, vous avez des danses, des pantalons encore, des autres pièces, des couleurs, des skins. Enfin, je vais vous montrer tout un par un vite fait. Hop, bon, vous pouvez voir, je suis niveau 23. Il y a 40 paliers. Hop, je vous montre encore. Boum, boum. J'avance assez vite. Et la dernière, c'est une émote quand vous faites top 1. Voilà. Et il y a aussi des visages d'ailleurs, pour voir le petit visage. Ensuite la boutique les gars, alors la boutique du haut c'est la même pour tout le monde, d'accord? Sauf que cette boutique, donc c'est les articles à la une, elle change à peu près tous les jours ou les 2 jours. Par exemple celle-là elle était là hier donc elle va changer dans un jour encore. Du coup je vous ferai une vidéo boutique juste pour ça, d'accord? Parce que en gros les articles standards c'est pareil tous les 24 heures comparé à là où les articles à la une c'est tous les 2 jours des fois. Les articles standards, c'est tous les 24 heures et c'est pas les mêmes pour tout le monde. C'est aléatoire. Tout ce que vous avez là-dedans, c'est aléatoire et il n'y a que vous qui voyez ça. Donc là, tout ça, vous ne l'avez pas dans votre boutique, sauf si par hasard vous avez quelques items. Mais du coup, les articles à la une, c'est pareil et je vous ferai une vidéo boutique juste pour ça. La boutique, elle est à peu près à 11 h, sauf que là, on peut voir 2 heures après. Donc elle est à peu près vers 14-15 h, la boutique à la une. En tout cas, dès qu'elle sort, je vous ferai une vidéo. Je sais pas si je ferai tous les jours. Dites-moi si vous voulez une vidéo tous les jours, les gars. Parce que, vu que les articles à la une, ils changent tous les 2 jours, je sais pas si c'est utile. Bref. Du coup, voilà. Ensuite, vous avez le magasin de DLC. Donc, c'est pour acheter des packs. Voilà. Il est obtient des kudos. C'est pour acheter des kudos. C'est ultra pas cher. Par exemple, 12 000 kudos. Presque un quart de ce que j'ai. Ça coûte genre 5 €. 27 000, je crois, c'est 10. 78 000, je crois, c'est 25. Et 170 000, c'est 50 € je crois. Donc genre pour 50 € vous avez 170 000 kudos. Et genre vous pouvez tout acheter. Genre tout tout tout. Paramètres, vous avez les paramètres audio pour le son. Graphique, c'est pour enfin la qualité du jeu. Clavier, c'est pour changer vos touches. Manette, changer les touches manette. Là c'est comment jouer. Et on vous explique un petit peu. Voilà, hop 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 hop. Assistance si vous avez besoin d'aide, des questions. La crédit, c'est ceux qui ont créé le jeu. Et sortie, c'est pour quitter le jeu. On va passer à ce que vous attendez le plus, je pense. Mes skins. Anime call, c'est les emotes. Alors, j'ai ça. Coucou. Je sais pas si elle est rare ou pas. J'ai aussi Hello. Je sais pas non plus si elle est rare. J'ai la poule. En fait, toutes mes emotes, je sais pas si elles sont rares. D'ailleurs, vous pouvez en mettre que 4, les gars. Ensuite, j'ai le robot. Dites-moi dans les commentaires ceux qui s'y connaissent. Toutes mes emoticônes. Enfin, toutes mes emotes, est-ce qu'elles sont rares? Ensuite, j'ai Oh le nul. Et pour finir, pouce en l'air. Donc dites-moi, les emotes qui sont gratuites, genre tout le monde les a dès le début, lesquelles elles sont rares, etc.
Célébration, c'est quand vous faites top 1. Donc c'est très rare de faire top 1, mais c'est quand même cool. Dès que vous allez faire top 1, il y aura une célébration. On peut pas la voir parce que là on est dans les menus. Et vous êtes prêts pour les skins. Alors pour les skins, d'abord les couleurs. Je vais vous montrer toutes mes couleurs. Acier, c'est une de mes préférées. Hop, vous pouvez voir, c'est un peu brillant. Ensuite, on a ballon de plage. On a bleu corail. Ensuite, on a jus de citron. J'aime beaucoup puisque vous savez que j'aime le jaune et le vert. Framboise, feu rouge, chocolat menthe et star de ciné. Moi, en attendant, j'utilise celle-là. Ensuite, pour les motifs, on a la classique où il n'y a rien. Camouflage ondulé, cellule, éclair, topologie, sous-vêtements, pastèque et glace. Voilà mes petits revêtements. D'ailleurs, dites-moi si j'ai des choses vraiment rares dans mon casier. Je suis pas sûr parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Pour les couleurs, il y a par défaut et le jaune. Jaune très stylé. Ensuite, les skins. On a l'astronaute qui fait partie du DLC avec le pirate et la licorne. J'ai aussi le DLC avec la frite, le sorbet que j'utilise tout le temps. Le sorbet, c'est mon skin préféré. Et le burger. Ensuite, on a celui-ci. Apparemment, il va devenir rare dans le futur. Donc, dépêchez-vous d'installer le jeu parce que le skin, je crois, ne reviendra pas. Le pigeon, le hot dog et le débutant, ils sont dans le pass de combat. Voilà. Pour les bas, classique, y a rien. Astronaute, c'est dans le DLC avec pirate et avec licorne. Ensuite, frites, sorbet et burger, c'était dans le DLC à 5 euros. Et passe de combat, passe de combat, passe de combat. Et ça va avec le look qui était censé être rare. Du coup, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et pensez au code créateur NSQ dans la boutique. Ciao!